La zone du Canavet, qui est connue surtout pour son vin blanc, l'Erbaluce, produit aussi d'excellents vins à base de raisins rouges, comme le Barbera et surtout le Nebbiolo, que l'on trouve également dans la commune de Carema, à la frontière avec le Val d'Aoste, dans un amphithéâtre enchanté cultivé en terrasse. Le vin produit à cet endroit, à partir du cépage Nebbiolo, prend le nom de la commune, justement. Le village est entouré de vignes qui s'élèvent jusqu'à 700 mètres d'altitude sur des pentes escarpées, cultivées pour cette raison de façon héroïque. Nous sommes en effet au pied du mont Maletto. Le raisin, que l'on appelle ici picodendro, est récolté à la main. Les sacrifices et le labeur des petits producteurs s'expriment pleinement dans ce vin concentré issu du Nebbiolo. La présence de la montagne et le microclimat que l'on trouve dans cet amphithéâtre enchanté produit une riche palette d'arômes dans laquelle on remarque des notes très épicées, très intenses. La grappe est de petite taille, pas plus grande qu'un poing, concentrée suivant des grains denses, présentant une structure qui s'adapte à un long vieillissement. Ce sont des vignobles qui donnent naissance à des vins offrant des sensations incroyables, avec des nuances balsamiques et complexes. Le Carema se marie parfaitement à des mets relevés, à des fromages forts, comme les pâtes persillées, aux saucissons. Celui qui est produit ici s'appelle salam patata, donc des saveurs intenses qu'équilibrent à la perfection ce fruit magnifique qui en bouche donne une sensation de plénitude et d'élégance. Denso e molto elegante. Mais on ne trouve pas le Nebbiolo uniquement à Carema. On le produit également dans nombreuses communes réunies sous la dénomination Canavese Rosso, Canavese Nebbiolo. Des cépages qui sont mélangés à d'autres cépages à grains rouges que l'on rencontre dans tout le Piémont. Il s'agit de vins fruités, parfumés, prêts à être dégustés, mais ayant un grand potentiel de garde.